Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans un nouveau format de vidéo en fait. Là, je vais partir faire un petit tour au bar, dans un bar pas loin de chez moi, pour aller bosser un petit peu, boire un petit café et tout. Et je trouvais que ce format était intéressant parce que j'ai envie de te parler d'une inspiration du moment que j'ai, que je retrouve, notamment une personne que j'ai suivie il y a quelques années et que je commence à re-suivre et qui fait un peu le même style de vidéo. Et ce qui est marrant, c'est que lui, en fait, il propose des vidéos un peu comme ça, tournées dans la rue. Il est à Budapest en ce moment, il habite en Roumanie. Il s'appelle Jean Rivière, je te le mettrai dans la description. Et il t'apprend plein de techniques comme ça, des choses sur le business, sur le marketing et tout. Et c'est assez intéressant. Ce qui est bien avec ce type de contenu, en fait, c'est que tu peux te balader dans la nature comme ça, tu peux aller quelque part et discuter avec quelqu'un, tu n'as pas besoin de montrer ta tête. Et je trouvais ça intéressant. Et j'avais envie aussi de te parler d'une vidéo que j'ai vue hier soir. J'en ai fait d'ailleurs un article et que je te mets aussi dans la description en dessous, qui est extrêmement intéressant parce que c'était 5 techniques pour en avoir rien à foutre. Je trouvais le concept assez intéressant, notamment le fait que cette personne te donne 5 techniques pour avoir une vie un peu plus heureuse, un peu plus à succès selon toi, en prenant en compte le fait que par exemple, tu allais mourir. Et c'est un peu con ce qu'il dit, mais c'est extrêmement intéressant parce que comme il disait, tout le monde va mourir et tu sais que tu vas mourir. Et à partir du moment où tu sais que tu vas mourir, tu profites davantage de la vie. Parce que ta date, elle est limitée et que tu n'as pas longtemps en fait. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, mais tu vas mourir un jour et ça te fait plus profiter. Il y a une autre technique qui est l'approbation des autres. Les gens n'ont rien à foutre de toi et je trouvais ça extrêmement intéressant et ça m'a reboosté un petit peu et ça m'a boosté surtout à faire cette vidéo pour t'en parler. Donc, je te mets le lien de la vidéo en dessous et de mon article également si tu veux aller les voir parce que ça va t'apporter pas mal de petites choses. Que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien. Donc, c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Déjà, ce nouveau type de contenu où je vais me balader un peu dans la rue comme ça, ou me balader en ville, ou me balader devant mon bureau pour te parler, te échanger avec toi et te partager des choses, te partager des vécus, des expériences que je vis en ce moment, des articles de blog, des choses justement sur ça. Et alors après, c'est quand même une prouesse qui est assez folle, c'est de croiser des gens comme ça et de parler un peu dans le vide, parler à quelqu'un. Donc on verra ce que ça donne et j'attends ton avis justement sur ce type de contenu par rapport à ce que je faisais avant où je montrais ma tête, si tu veux que j'alterne un peu entre les deux ou autre, si je te partage des inspirations, des choses comme ça à même la ville. Alors je ne sais pas si tu vas bien l'entendre avec les voitures qui passent à côté, mais voilà. En tout cas, merci de me suivre, n'hésite pas à t'abonner non plus pour suivre de prochains contenus. Va voir dans la description, je t'ai mis plein de liens sur ce que je te dis dans cette vidéo et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!